Bon matin, tout le monde! Mambo Tricot, je t'ai pas dit, je filme! Je fais une quiche dans ta ronde. C'est ça, hier, pas hier. J'ai lancé un défi, je pense que c'était quand le Pop Wow avait sorti. Je me souviens pas si on l'avait en vente en janvier. Ouais, ça devait être vers la fin du mois de janvier. Et fait que c'est ça, fait que j'ai une coupe de filles. On était disqualifiantes. Fait qu'il y en a quelques-unes qui habitent plus loin, fait que les autres ne pourront pas venir. Fait qu'on va se faire un beau brunch. Si jamais d'ailleurs tu aimerais faire partie de mon équipe, ben joins-toi à nous. C'est ça, il y a toujours des défis à chaque mois, chaque semaine. On peut se mériter soit des cadeaux, des événements. Fait que je vais utiliser dans le fond la top onde pour ce soir. Puis là, Mambo Territo est en train de faire de la sauce blanche. Mon frère Sébastien aime beaucoup la sauce blanche, fait qu'elle a décidé d'y faire une belle surprise, un beau cadeau. En tout cas, il va être content, maman. Hein? Fait que ici, dans le fond, la top ronde, c'est ça que je vais utiliser. Là, je voudrais savoir pour ceux qui vont écouter en rediffusion, s'il vous plaît simplement écrire hashtag replay. Si vous connaissez la top ronde, j'aimerais aussi savoir c'est quoi la recette que vous aimez faire vous dedans. Ça a été un de mes produits préférés. Dans le fond, là, j'ai 45 ans. Puis depuis l'âge de 18 ans que je cuisine avec la top ronde, puis j'ai toujours fait mon poulet entier dedans. Poulet avec des légumes dans le fond. Je faisais souvent qu'est-ce qu'on disait, la poulette heureuse. Fait que j'assoyais la poulette ici, debout. C'est comme une canne, non? Fait que ça, c'était ma recette de poulet. À ça, je le fais plutôt. Je mets mes légumes ici, patates, carottes, céleri, oignons. Et je vais mettre la poulette avec les trous comme ça directement. Je le mets sur dos, je mets sel et poivre, je mets des épices sur le poulet. Puis la raison, c'est parce que je mettais de l'huile dans mes légumes. Puis j'ai réalisé que le gras du poulet, c'est tellement meilleur. Puis ça donne vraiment un bon goût. Et je le fais directement. Si tu n'aimes pas le gras du poulet, bien à ce moment-là, tu le mettrais dans le 2 litres. Fait que tu mettrais ton poulet, tes légumes là-dessus. Puis ça, mettons, c'est des poitrines, bien à ce moment-là, tu pourrais même te faire un dessert comme une croustade aux pommes sur le dessus. Dites-moi coucou quand vous allez arriver. Salut Mario, je vais juste swiper pour être capable de voir vos messages. Salut Marinado, bon matin, bon samedi matin. Écrivez-moi un coucou s'il vous plaît, comme ça je vais être capable de vous lire. Alors, fait que je vais commencer mon mélange de coco dans le fond, mon mélange de quiche. C'est quoi que je m'en venais chercher? Ah, ça ici. Fait que je commence par des oignons parce qu'une quiche sans oignons, c'est pas la même affaire. Là, je voudrais savoir qu'est-ce que vous mettez normalement, vous, dans votre quiche. Est-ce que vous mettez des légumes? Je sais qu'il y en a, des fois, ils vont mettre aussi des champignons. C'est super bon. Fait qu'on va commencer par hacher des oignons. Alors, swipe ça ici. Des oignons. Fait que moi, j'aime simplement des oignons. Si j'ai des champignons, je pourrais en mettre. On les a tous utilisés. Je vais mettre de la crème, de la bonne crème. Ah oui, c'est vrai. Ben là, j'ai mis un oignon. Ah, ben l'échalote, ouais, c'est vrai, la recette d'hier. Puis je vais mettre, là, je vais l'essayer. L'habitude, c'est du jambon que je mets, mais j'ai acheté ce mois-ci au Costco, le bacon d'eau. Ah! Bacon de dos. Mais gars, je vais vous montrer comment je l'ai écrit. Bacon d'os. Mais c'est pas du bacon d'os, c'est du bacon de dos. De dos. Ah! Ouais. Ça se mange cru comme ça, là. C'est correct. D'habitude, c'est du jambon. Hein? Ben, il n'est pas très fumé, maman. Tu as-tu goûté? C'est pas très. Je pense que le cochon qu'on pourrait quasiment manger ça cru. Alors, on va hacher ça. Ah, va être bon, ça. Ça va faire différent, en tout cas. On va voir que ça a de l'air. C'est parfait, des beaux morceaux. Là, je vais vous montrer ça. Salut Micheline! Merci Micheline d'avoir dit coucou. Salut Marilyn! Alors, du bacon de dos. Du bacon. Fait qu'au lieu de mettre du jambon, je l'essaye. C'est celui que j'ai vu que c'était
au Costco parce que j'achète maintenant les gros jambons, des jambons entiers pour les râper au lieu d'acheter des viandes froides. Parce que quatre fois payé, quatre fois la même, voyons, quatre fois plus cher pour la même affaire, moi, ça, mes cheveux confondent. Fait que j'aime bien que ça soit économe. Alors, j'ai terminé avec ça. On va bien sûr mettre du fromage et du bon fromage. Quelle sorte de fromage que vous aimez mettre dans votre quiche? Sous nous, c'est du fromage cheddar qu'on a râpé, bien sûr, avec la maître râpe, là. Le cheddar Kirkland, il se râpe quand même pas, ben, il se râpe là, dans le maître râpe, mais il faudrait quasiment le mettre un peu au congélateur. Là. Je ne sais pas combien j'en ai mis, là. C'est à peu près ça. On va rajouter bien sûr des œufs. On a besoin des œufs pour faire une quiche. Checkez ça. Ah! Le beau contenant de cocotte, oui. Ouais. Fait que ça va super bien, justement, serrer ça dans le frigidaire. Ce contenant-là, oui, on peut s'en servir pour faire quand on fait des cocos à la coque, là. Coco à la coque. Coco, tu sais, qu'on laisse le jaune sorti, là. Que c'est beau. Est-ce que vous gardez ça, vos coquilles? Ceux qui font des jardins, je sais qu'ils aiment garder leurs coquilles parce que ça leur permet de. Les petites bébites, quand tu mets ça dans ta terre, là, les petites bébites, les vers, ils se coupent. Fait qu'ils ne mangent pas tes plantes. Un petit truc de Laverdière que Papa Chef aime bien beaucoup. Attends, je vais faire ça. Je vais prendre les extrémités. Oui. L'habitude, dans la top 11, je mets entre 6 à 7 œufs. Là, je suis rendue à 4, 5, 6, 7. Je suis rendue à 7 œufs. Bien. On va rajouter. La crème, je vais aller vous lire après, là. La crème, parce que de la crème, c'est bon en titi. Monomonom. C'est à peu près une tasse. À peu près. Puis dans ça, j'aime bien mettre du sel d'ail. Du sel d'ail. Du sel, du poivre. Déjà, le sel d'ail, c'est un peu pas mal épicé, là. Un peu de poivre. Comme ça. J'ai peut-être pas pris la bonne. On va péter les jaunes. J'allais vous lire un peu. Qu'est-ce que vous me racontez? Non, coquille. Micheline, je les aime donc, tous, donc je mets celui que j'ai à la maison. Oh, c'est bon. Un peu plus salé. Ouais, ok, tu parles pour le jambon, Liette. Très bon, le bacon de dos. Bon, ben, je suis contente que vous connaissez ça parce que moi, je ne connaissais pas ça. Salut Véronique! Fait que dans la quiche, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va goûter parce que d'habitude, c'est du jambon que je mets dedans. Là, j'en ai une qui est, voyons, qui est gluten-free. Fait que je ne mettrai pas de la chapelure. D'habitude, je mets de la chapelure dans le fond de la top 11 pour que ça se détache facilement. Fait que je vais juste mettre un petit peu plus de beurre, tout simplement. Fait que ça, c'est la cuillère que Papa Chef aime beaucoup, comme qu'il dit. Pour mélanger, ça va bien. Là, il me semble que j'ai tout mis. Ah, je vais rajouter un peu de persil. Si vous avez du persil frais, c'est encore mieux. Là, ici, on a du persil. Persil. Eh, c'est-tu bien ça que j'ai mis? J'ai eu peur. Avec du persil déshydraté. Là, il n'y en a plus. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. En tout cas. Je suis sûre que ça va être bon. Quand tu dis il y a de la crème, monomonome. Bon, là, c'est assez mélangé. Fait que là, ici, dans le 3 litres, je vais mettre beaucoup de beurre. Comme je vous mentionnais, pour pas que ça colle. Puis d'habitude, c'est que vous allez mettre tout simplement de la chapelure dans le fond. Mais là, c'est ça, il y en a une, Micheline, à le gluten. Pour qu'elle puisse en manger. D'ailleurs, elle descend de Montréal aujourd'hui pour venir pour l'événement. Puis ça, c'est le fun. C'est des événements là, qu'on fait une fois par mois. Il y a des défis, équipe. Fait comme ça nous permet de nous rassembler ensemble. C'est vraiment le fun. Ça fait du bien de se voir en vrai. Fait que si ça tente de faire partie d'une belle équipe, là, ben, on a des belles événements, des beaux défis.
On a des événements qui se passent à Montréal, à Gatineau. Bon, OK. Ça, c'est bon. Là, j'ai tout. J'ai œufs, crème, jambon, bacon dedans, oignon. On a tout. Ah, je vais mettre la quiche. Pas la quiche. Le cône dans le milieu pour que tout cuit en même temps. Parce que l'avantage du cône, c'est que ça permet de que la nourriture, dans le fond, dans le milieu, les ondes vont passer aussi à travers et ça va cuire autant tout autour. Comme ça. Fait que c'est la même chose aussi quand tu fais un gâteau, là, tu vas mettre le cône. Fait que ça permet tout simplement de tout bien ramasser, tout bien cuire pour ramasser vraiment, parce que avec la spatoule, là. Est-ce que vous aimez ça des quiches, vous? Je sais qu'en présentation, quand on faisait les brunchs, on faisait du bacon à l'ananas, la quiche, puis des gratins de pommes de terre, des escalopes. Puis la plupart des gens qui disaient « Ah, oh, j'aime pas la quiche », je leur disais de goûter la quiche Tupperware parce que la différence, c'est à cause de la pâte. Souvent, les gens n'aiment pas la quiche à cause de la pâte. C'est ça. T'sais, des fois, il y a beaucoup plus de pâte que de coco, qu'on pourrait dire, d'œuf. Là, je rajoute du fromage parce que c'est bon du fromage. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que je vais mettre ça je vais commencer par. Normalement, c'est une vingtaine de minutes à Power 8. Fait que je vais le mettre à 18 minutes Power 8 parce que tout dépendant, comme je vous mentionne, ça fait un petit bout là, que je n'ai pas fait la quiche dans ce micro-ondes-là. C'est une autre affaire. Des fois, il va cuire bien, des fois, non. Fait que. Et je vais mettre ça, je vais le mettre sans couvercle. OK? Ben, je pourrais le mettre avec un couvercle, pardon. Je vais le mettre avec un couvercle, mais avec les oreilles ouvertes. Quand on veut que ça cuit uniformément avec la vapeur, on ferme ce qu'on appelle les oreilles. Quand que je veux que ça cuit à vapeur puis que ça grille à l'intérieur, je vais ouvrir les oreilles. Fait comme ça ici. Il y a comme une espace, une craque, fait que l'air, elle va sortir et ça va permettre de griller. La vapeur va sortir. Je vais le mettre comme ça, 18 minutes à Power 8. La recette, normalement, c'est une vingtaine de minutes. Fait que je préfère pouvoir le rajouter que le faire trop cuire. Ouais, fait que Power 8 et 18 minutes. 18 et 7. Puis, that's it, gang! Ça va être aussi simple que ça. Je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner ou qu'est-ce que vous allez manger? Et bien sûr, si tu connais la top ronde, puis qu'est-ce que tu fais avec? Fait que Micheline, elle adore la quiche. Cool! C'est correct, si tu mets trop de persil, ça va couper le sel. Ouais? J'ai-tu mis trop de sel? Non. Salut Véronique! Fait que sur ça, je vous souhaite de passer un bon matin, un bon samedi matin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si jamais vous pensez que ça pourrait aider une personne qui a la top ronde, qui ne sait pas quoi faire avec, ou tout simplement une recette de quiche qui est simple, 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 là. Simplement lui partager. C'est partager le live sur votre page personnelle. Ça, c'est la meilleure place que je pourrais dire. Micheline, des toasts, beurre de peanuts et confiture que tu as mangé un matin. Nice. Fait que c'est ça. Oh, je vais vous amener là, le micro-ondes, il va faire des shortcuts. Ouais, c'est ça. Fait que, s'il vous plaît, salut ma belle Lynn Liberty. Si vous voulez partager le live sur votre page personnelle, souvent, les gens, c'est comme ça qu'ils vont commencer soit à suivre ou qu'ils vont. C'est ça. Parce que vous connaissez des gens que je ne connais pas. Puis ça m'aide en même temps pour la business, bien sûr. Fait que là, ma belle Lynn, ça, j'ai préparé la quiche pour le brunch ce matin d'équipe des qualifiantes pour le défi Pop Wow. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et merci d'avoir été là. Bon samedi, bon week-end et continuez à vous amuser. On ne sait jamais la vie. Qu'est-ce qui nous réserve? Fait que profitez du moment présent, là. Puis savourez-le. Bye bye, merci encore tout le monde. Bonne journée.